Bonsoir, Monsieur Mourleva. Merci Bonsoir. D'être là ce soir. Donc, vous êtes le président d'Aubugey Agglomération. Le bassin d'Oyonnax, le Haut-Bugey, est réputé pour sa plastique vallée. La reconversion écologique devient un important challenge, même dans nos industries dans l'Ain. Quel est le rôle de l'agglomération dans ce challenge ? Alors, tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais d'abord féliciter Yvon Riva. qui est effectivement du Haut-Bugey, dont l'entreprise est à Nurieux, il l'a dit. Et vraiment, c'est vraiment une... La transition est parfaite. Voilà. ce qu'on dit là est très important. On avait la semaine dernière un événement sur Oyonnax qui s'appelle Éco-Bugey. Cet événement mettait en valeur notamment la question de l'économie circulaire. Et on voit bien que... pour les années à venir, en tout cas, si l'on ne prend pas ce train-là, je pense qu'on sera passé à côté de quelque chose. Et nous avons vu la semaine dernière, nous avions notamment les étudiants de l'INSA, des étudiants qui vont être ingénieurs, a priori. Et je crois que ce nouveau paradigme, en tout cas de l'éco-responsabilité, de l'économie circulaire, c'est aussi une manière à nouveau de faire rêver nos jeunes. D'envisager en tout cas la consommation, la production d'une manière complètement différente. Et on a des entreprises aujourd'hui qui regardent devant, qui sont dans cette dynamique-là, et je pense qu'on a tout à y gagner. Eh bien, on a tout à y gagner, l'agglomération et le département aussi. On va décacheter l'enveloppe. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, alors, si vous le permettez... Dites-moi. Pardon, je souhaiterais appeler à mes côtés mon premier vice-président et maire d'Oyonnax à l'économie pour que l'on partage en tout cas cette remise de trophée. Michel Perrault est attendu. Michel Perrault, si tu veux venir, Michel. Bonsoir Michel Perrault. Alors, qui va décacheter l'enveloppe ? Je propose de décacheter l'enveloppe et que ce soit. Allez-y, Michel, un travail d'équipe. Qui annonce lauréat. Le trophée de l'avenir. À toi. Le groupe APTA, projet B1. APTA est un groupe américain. 13 000 salariés, présents dans plus de 20 pays du monde. Il est le leader mondial de la fabrication d'emballages, des systèmes de distribution, destinés au marché de la beauté, des soins, de la santé et de l'alimentation. Il est présent historiquement en France et depuis plus de 15 ans en Auvergne-Rhône-Alpes. À Oyonnax, le groupe APTAR réorganise sa filiale, spécialisée dans les emballages pour la cosmétique de luxe. Ce projet, intitulé B1, représente l'investissement industriel le plus important du groupe. B1 porte 4 ambitions majeures. La compétitivité et l'excellence opérationnelle. La transition vers l'industrie du futur. Une ambition sociale et locale renouvelée, ainsi que la sobriété énergétique. APTAR Oyonnax devient le premier site français à obtenir le plus haut niveau de certification LEED, V4, niveau Silver. En regroupant 5 unités sur ce site, B1 remporte également 460 emplois locaux. Ce projet confirme l'ancrage territorial d'APTAR Beauty & Home et la valorisation des compétences locales uniques et indispensables à la croissance du groupe. Alors bonsoir Gratzela Le Neveu, félicitations pour ce trophée. Bonjour monsieur Deligne, c'est ça ? Félicitations aussi, parce que c'est un travail d'équipe, hein, comme pour la remise du prix. Pareil. Exactement. Donc on a vu dans la vidéo que une vidéo d'autres entreprises et puis surtout le projet B1 pour lequel vous recevez un prix ce soir. Comment est-ce que ce projet s'inscrit dans une démarche éco-responsable ? Alors, il s'inscrit dans une démarche éco-responsable parce que depuis sa genèse, il a été d'abord un grand partenariat. Le projet B1, c'était d'abord la valorisation et la réunification de toutes nos équipes. Et on avait à cœur de trouver un site dans la vallée de l'Ain, parce qu'au-delà de nos équipes, il y a tous les sous-traitants, l'ensemble des acteurs de la plasturgie. Donc, c'était d'être capable de devenir, nous, terrain d'éco-responsabilité en tant qu'acteur majeur de la plasturgie. Et c'était trouver la manière de pouvoir le faire. Et on a été
extrêmement bien l'accompagner. Donc, je vais aussi en profiter pour dire merci au plus grand de nos partenaires, qui est notre promoteur. Alors, avant de le faire approcher, juste un peu votre micro, comme ça, ils vous entendront mieux. Ils vous entendront mieux, d'accord. Parce que ce projet n'aurait pas pu voir devenir ce qu'il est devenu, puisque nous avons été officiellement, nous sommes devenus propriétaires hier. Et je souhaitais remercier la société M plus M, qui est notre plus grand partenariat qu'on a pu faire naître cette belle usine. Donc, merci à M plus M. Voilà. Qui nous a aidés dans cette démarche à trouver à la fois la manière dont on allait révolutionner notre outil industriel, réfléchir nos process de production, réfléchir à la recyclabilité de nos produits, réfléchir à renouveler nos chaleurs fatales de process. Et donc, grâce à tout ça, on a pu économiser donc 58% des émissions de CO2 et 45% d'énergie, de réduction de consommation d'énergie. Je voudrais aussi en profiter pour souligner le partenariat avec la région, avec Monsieur le maire, notamment, la HBA, qui nous ont beaucoup soutenus dans toute la démarche, à la fois administrative. Ça a été un partenariat vraiment qui démontre quand on marche tous main dans la main, on y arrive. Voilà. L'équipe, c'est le fil rouge de ce trophée. Le groupe Aptar a pour objectif de dynamiser sa production en réduisant son impact environnemental. Absolument. Et comme le disait Graziella, un des plus grands impacts environnementaux du projet, c'est le fait que les 5 sites qui sont aujourd'hui dans le bassin oyonnaxien vont être combinés en un seul, qui va éviter énormément d'allées et venues de camions. Ce sont des milliers de circulations qui vont être évitées grâce à cette réunification en un seul site. Et pour que ça fonctionne, il fallait un site central. Donc nous devions rester à Oyonnax pour que cela fonctionne. Et donc, grâce à Monsieur le maire, entre autres, mais pas que, tous nos partenaires locaux, nous avons réussi à faire en sorte que ce projet voit le jour. Vu de là où on est aujourd'hui, ça a l'air d'être un petit miracle. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais ces derniers temps, construire un bâtiment dans les temps, c'est très compliqué. C'est compliqué, c'est vrai. Tu as souligné, le bâtiment est arrivé jour pour jour dans les temps. C'est quand même une petite prouesse à souligner. Et donc tout est et ce trophée, voilà, c'est la définition de tout ce travail. Donc vous pouvez leur remettre leur trophée et faire une petite photo devant le photocall. Bravo encore. Merci à tous. Dirigez-vous juste là, sur ma gauche. Mettez-vous là. Je vais rajouter quand même quelque chose. Simplement, cette usine, ça représente 27 000 mètres carrés couverts sur un terrain de 7 hectares et demi. Et ça concerne 500 emplois directs et 500 emplois indirects. Alors, félicitations, groupe Aptar. Merci d'être resté dans la Plastic Valley. Et j'en profite aussi pour saluer le président du département, Jean Deguerry, pour son aide qu'il nous a apportée tout au long de ces négociations. Ça n'a pas été facile. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Une petite photo souvenir, juste là. Il faudra juste un peu se serrer tous les quatre, mais vous entrez. Donc pendant la photo souvenir, tout le monde va y passer. Il ne faudra pas...